Balancez vos ondes positives. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien en ce début 2023. Bonne année à tous et à toutes. Bonne année les filles, bonne année les garçons. Bonne année. C'est la période, bonjour, bonjour. C'est la période des nouveautés. En voici une, je suis Marc Vossen et j'ai l'immense joie d'ouvrir la voie pour une nouvelle aventure humaine collective avec une dizaine d'équipiers et d'équipières que vous avez déjà entendu, que vous allez réentendre maintenant. Ça s'appelle « Balancez vos ondes positives ». C'est le titre d'un livre que j'ai coécrit avec Valérie Malice, qu'on salue d'ailleurs, qui aurait dû être là. Coucou Valérie. Mais qui finalement n'est pas là. N'est pas là parce qu'elle a une extinction de voix. Mais elle viendra nous rejoindre bientôt. J'ai envie donc de prolonger ce « Balancez vos ondes positives » en radio, en audio. Pourquoi « Balancez vos ondes positives » Parce que la plupart des médias sont depuis longtemps des caisses de résonance négative, parce qu'ils diffusent des informations anxiogènes à 95% du temps et que j'ai envie de contrebalancer ça en étant une caisse de résonance positive. Ce sera notre mission dans Balancer vos ondes positives, infuser de l'optimisme à travers tous les thèmes de la vie qu'on va aborder. La vie personnelle, la vie professionnelle, tous les sujets d'actualité que nous avons envie d'aborder avec un angle clair, rendre la vie la plus solidaire, plus juste et plus joyeuse, montrer qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Quel que soit le sujet, c'est notre mission. Et on sera intransigeant. Balancez vos ondes positives, ce sera une émission d'une heure que vous pouvez écouter quand vous le voulez. Il y en aura deux par mois, avec une première diffusion le premier et le troisième samedi du mois. Vous pouvez l'écouter évidemment partout et à tout moment sur votre plateforme de podcast favorite et sur n'importe quelle plateforme, Spotify, Deezer, Google et les autres. Et maintenant, mesdames, messieurs, que le cadre est planté, attention, nous allons faire le tour de nos chroniqueurs et chroniqueuses qui sont là aujourd'hui, en pleine forme, en ce début d'année. Ils sont, attendez que je dise, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus moi 9, Valérie qui est dans son lit 10, et puis Vince qui va arriver en cours de route, 11, on sera 11 autour de la table. Et bien maintenant, nous allons donc commencer, mesdames, messieurs, attention, c'est parti. Caroline Avermersch, bonjour. Bonjour Marc. Alors, qui êtes-vous, jeune dame? Jeune demoiselle. Oui, pardon, excusez-moi, jeune demoiselle. Je sais que ça ne se dit plus, mais quand oui, même. Mais voilà, ok. Moi j'aime ce mot, Eh bien, demoiselle, qui êtes-vous? Eh bien, je suis autrice. J'ai écrit un livre qui est sorti l'année passée dans la maison d'édition, la même que toi d'ailleurs, Marc, L'attitude des héros. Oui, mais... Voilà. Et je suis fondatrice d'une association qui s'intitule The Lemon Spoon. Merci. Quel est le sujet de ta chronique? Je vais vous parler des bonnes résolutions pour l'année 2023. Ouais, comme il se doit, évidemment. Et puis à côté de Caroline, nous avons Stéphanie Grandjean. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marc, bonjour à tout le monde, bonjour à vous qui nous écoutez. Donc moi je suis journaliste et je m'intéresse depuis longtemps à la transition écologique et sociale, notamment par le biais d'un podcast, d'une série podcast que je réalise qui s'appelle L'Instant Papillon. Merci Stéphanie. À côté de Stéphanie, nous avons Edouard Mondron. Salut Edouard. Salut Marc. Ah ben écoute cette fameuse question. Écoute, je sais de moins en moins ce que je fais, mais je sais de plus en plus qui je suis. Et ce que je crois savoir aujourd'hui, c'est que je suis un entrepreneur et investisseur. D'accord, ok. Et le sujet aujourd'hui? Alors, j'ai envie de remettre un peu de sens et de bon sens sur le mot qu'on se dit tous les jours, à savoir « bonjour ». Bonjour. Simple, et bien, ok. Est-ce qu'on peut dire tous déjà « bonjour Édouard » 1, 2, 3. Bonjour Édouard. Bonjour tout le monde. Et puis à côté d'Édouard, il y a Emna Chabouche. Qui es-tu?
Hola, salut tout le monde. Donc mon prénom est Emna, Emna Chaouch et non pas Couch, ce qui signifie un sofa en anglais. C'est bien le chat qui fait ouch, voilà. Je suis spécialisée dans la prise de parole en public dans le cadre professionnel. J'aime aussi me dénommer speaker-preneur parce que ça combine un petit peu le mot speaker et le mot entrepreneur. Et entrepreneur, on peut vraiment le comprendre dans le sens large des choses. Donc c'est entrepreneur de sa vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Merci Emna. À côté de toi, il y a Romain Gusto. Bonjour à tous. Je suis un petit peu plus novice que Emna, je dirais. Ceci est mon premier micro, mon baptême du feu. Et bravo, on peut applaudir. Merci. Je vais lancer un média positif pour parler de ce qui marche dans le monde, qui s'appellera What Now. Et justement, aujourd'hui, je vais vous parler du journalisme de solution. Merci Romain. À côté de toi, nous avons Isabelle Demailleux. Bonjour Isabelle. Bonjour Marc. Donc voilà, moi c'est Isabelle Demailleux. Je suis à l'initiative de New Smile. New Smile, c'est quoi ? C'est un média qui se veut être positif, inspirant, envoyer plein de good vibes aussi. Aujourd'hui, je vous emmène sur les chemins de Compostelle. Merci, à tout de suite. Alors, à côté de toi, nous avons Virginie S. Bonjour Virginie. Bonjour Marc, bonjour à tous. Alors, moi je suis chroniqueuse, journaliste en radio, TV, web, présentatrice aussi. Spécialisée de la nature, je suis une folle de nature. Je suis d'ailleurs raconteuse de nature puisque j'adore vous raconter des histoires et c'est ce que je vais faire ici dans cette super émission en commençant par l'histoire, finalement, toutes les histoires qu'on nous raconte sur le monde aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore y croire ? Est-ce qu'on a envie d'y croire ? Est-ce qu'on n'en croirait pas d'autres ? Merci Virginie. À côté de toi, pour terminer le tour actuellement en attendant Vince, nous avons Nathalie Gilly. Bonjour Nathalie. Bonjour Marc. Moi je suis une magicienne contagieuse puisque je nourris la cohésion des groupes, le bien-être des individus et l'expertise des pros de l'accompagnement. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une mission ocytocine sur le thème des câlins. Ocytocine, tu nous expliqueras ce que je c'est. Je vous expliquerai tout, Marc. Est-ce que tu veux dire, Emna, parle. Moi, je voulais juste dire que je n'ai pas eu l'occasion de dire quel sera le thème de ma chronique. Bien vu. Et Stéphanie non plus, au fond. C'est juste. Ah, alors, c'est quoi, c'est caramba, quoi caramba, caramba. Eh bien, le thème, pour ma part, ce sera « Est-on plus heureux aujourd'hui ou avant ?» Ok, merci. Et toi, Steph ? Et voilà, moi, je voulais creuser aujourd'hui la notion d'éco-anxiété. Alors... Sans plomber. On vous l'a dit, tous les sujets sont à bord. Il y en aura encore plein d'autres au courant des émissions suivantes. Et évidemment, en fonction de nos ressentis, de nos envies, de nos coups de cœur, de nos coups de gueule, on évoquera, partagera, mais avec toujours cette vision. Et rappelez-le-vous bien, balançons des ondes positives, c'est toujours la lumière au bout du tunnel. Il y a une note d'espoir, une pointe d'optimisme, une piste de solution qui est offerte dans tous les sujets qu'on aborde, quel qu'il soit. Alors, nous avons donc notre ouverture, celle qui va inaugurer l'ensemble de ces chroniques, la chroniqueuse Lina, qui vient effectivement nous parler de ses bonnes résolutions pour 2023. Lina, c'est à toi. Balancez vos ondes positives. Positives. Bonjour à tous. Qui dit nouvelle année dit bonne résolution, n'est-ce pas ? Well, I don't think so. Fin 2017, j'étais en burn-out et on m'a offert un livre « Foutez-vous la paix » de Fabrice Midal. Il m'a tout simplement bouleversée. Et en début 2018, on m'a invitée à parler en radio sur la première, ma première radio à l'époque, de mes bonnes résolutions écolo. Le truc, c'est que ces mots « bonnes résolutions », ça résonne en moi comme « comment me mettre une pression de ouf ». Et donc, inspirée par ce livre, j'ai parlé de mon unique résolution pour l'année, me foutre la paix. Et me voilà avec vous aujourd'hui, 5 ans après, j'en suis toujours au même chapitre, enfin, un peu plus avancée quand même, je vous explique. L'année passée, j'ai écrit un livre qui s'intitule « Comment j'ai arrêté de me presser le citron ». En fait, j'ai réalisé que arrêter de se presser le citron, c'est la même chose que se foutre la paix, mais c'est dit autrement. Et donc après la lecture de « Foutez-vous la paix » et l'écriture de mon livre, il ne me restait plus qu'à l'appliquer dans mon quotidien. Bon, c'est là que ça se complique, vous imaginez bien, parce que j'ai réalisé qu'entre comprendre et vraiment intégrer ce genre de concept, on ne peut pas passer à côté de l'expérience. La théorie, c'est du blabla, la pratique, c'est plus valeureux. J'ai décidé de consacrer l'année 2022 entière à apprendre à me foutre la paix pour de vrai.
Alors, comment vous dire ? C'est un travail à temps plein, d'œuvrer à la transformation de son être. Je me... Non mais vraiment. Je me plaignais de situations et de comportements qui se répétaient dans ma vie. Bah ouais, il n'y a pas de secret, hein, les amis. Mêmes actions égale même résultat. Autre action égale autre résultat. Et donc cette année, j'ai eu le courage de remettre en cause le plus infime de mes comportements inconscients. Il s'agissait avant tout de me défaire du conditionnement rigide, on peut le dire, appris durant mon éducation, par exemple. Le perfectionnisme, la compétition, l'exigence, et tout ça sans respecter mes besoins émotionnels, le plus important. En gros, l'idée c'est de ne pas me laisser entraîner dans mon quotidien par la sollicitation permanente d'une société, je dirais, complètement écervelée. Ah oui, petite parenthèse, comprenez-moi bien, je ne me lance pas dans une quête de 100% bonheur et pseudo-sagesse, une énième religion qui me fait toujours me sentir personnellement pas suffisante comme je suis actuellement. La vraie sagesse, selon moi, c'est partir de ce que je suis et de comment je me sens aujourd'hui. L'écrivain philosophe Émile Cioran disait « Il faut prendre exemple, non pas sur les sages, mais sur les enfants. » Quand on est malheureux, il faut se rouler par terre. Vous avez bien entendu. Un être humain qui ne peut pas se rouler par terre parce qu'il souffre n'est pas un vrai être humain. Les amis, cette année, je me suis roulée par terre des centaines de fois. Grâce à un stage qui m'a littéralement permis de revenir en enfance. Que c'est bon. Franchement, vous devrez essayer. J'étais tellement dans ma tête depuis 32 ans avec 90% de pensées erronées que j'en avais oublié de bouger mon corps et de sentir mon cœur. La suite de l'année, j'ai écouté mes besoins du moment, ma fatigue, mes douleurs et mes émotions évidemment. Alors oui, parfois aujourd'hui je me sens encore nulle, triste et seule avec mon eczéma, vous pouvez le constater, je vous montre ma main. Le meilleur baromètre de mon état émotionnel, il me rappelle que je suis une personne anxieuse, encore accablée par la servitude de ce monde. Et puis, je me rappelle que je ne dois pas prendre tout ça trop au sérieux et que je peux aussi un peu rire de moi-même, hein, quand même. Je connais actuellement la thérapie la plus hilarante de ma vie, l'autodérision. Et en fait, ça passe toujours, et ça passe toujours au mieux surtout, parce que la vérité, c'est aussi que je médite beaucoup. Et la méditation, je trouvais que c'était un peu chiant, à vrai dire, au départ, jusqu'à ce qu'elle devienne aussi vitale qu'un repas dans ma journée. Pour rappel, les gars, enfin, les filles aussi. Voilà, c'est gratuit, respirer. Hein? Et c'est un acte si basique que nous avons du mal à le valoriser tant notre besoin de rentabilité est ancré. Je me dis souvent que l'ère industrielle nous a vraiment fait perdre la boule. Bref, cette année, j'ai pris le temps pour tout. Plus d'agenda chargé, plus le temps d'être pressé comme un citron. Ma vie est une scène au ralenti permanent. Waouh, mais quel vertige! J'ai réalisé qu'à partir de ce vide, je peux décider de devenir tout ce que je veux. Quand je ne contrôle plus, je laisse place à la spontanéité, à l'inconnu, au last minute, et un océan d'opportunités s'ouvre à moi. Avoir le temps, c'est ça le grand luxe dans la vie. J'aimerais encore préciser quelque chose. Se foutre la paix, ce n'est pas ne rien faire, c'est laisser faire la vie, car c'est un mouvement qui est à la fois un laisser et un faire. Et comme écrit dans mon livre, l'acte le plus productif est de prendre soin de moi. C'est seulement quand je me sens bien que la productivité au sens propre viendra. Et donc on me demande souvent si j'ai vraiment arrêté de me presser le citron pour de bon. C'est quand même le titre de mon livre, pour rappel. Eh bien franchement, pas tout à fait. Mais après tout, je suis humaine. Et donc ma bonne résolution pour l'année 2023, ce serait être humaine et le rester. Je vous laisse avec cette excellente limonade. Et au cas où vous voudriez quand même plein d'idées pour de nombreuses bonnes résolutions, n'hésitez pas à vous procurer mon livre qui est disponible sur thelemonspoon.com ou en librairie. Voilà, voilà. Merci, Caroline. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir à ce que Carolina vient d'évoquer, Romain ?
Oui, merci Carolina. Je pense que tu nous as bien relaxé pour nos chroniques suivantes. Donc merci pour cette résolution qu'on va essayer de suivre aussi. Tranquille, foutez-vous la paix. Voilà, foutez-vous la paix. Et soyez simplement humain. Merci Carolina. Alors de Carolina et de ces bonnes résolutions, on va plonger avec Nathalie dans le plaisir de sa mission ocytocine, le cas. Joyeux bonjour. Alors c'est parti pour une mission ocytocine. Vous allez comprendre, je vous rassure. Créatrice de bien-être et de liens. Dans notre famille, nous avons un rituel délicieux quand l'un ou l'une d'entre nous est en mode grincheux. Si par exemple, au hasard, mon monsieur râle et qu'on se rend compte que l'ambiance est en train de se plomber légèrement, je me mets en connivence avec les enfants. On se regarde, on se met d'accord. Et on crie « Mission ocytocine !» On se jette sur lui pour lui faire un gros câlin collectif auquel il ne réchappe pas. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est très, 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 très difficile de rester fâché quand on est sous l'emprise de trois personnes qui vous font un énorme câlin. Et ça marche aussi au format individuel. Il y a quelques temps, j'aidais mon fils de 6 ans à se préparer pour l'école et j'entends mon amoureux qui soupire de loin. Je fais un clin d'œil à mon feu follet et je lui confie que je pense que son papa aurait besoin d'une mission ocytocine. « Garde ça, je m'en charge !» Il m'a filé sa galette de riz, il a filé faire un câlin à son papa, me laissant toute réjouie. Mais pourquoi, à votre avis, pourquoi un câlin fait-il du bien? C'est une bonne question. Pourquoi un câlin? Ben, je ne sais pas. Mais pourquoi? Mais c'est grâce à l'ocytocine. Ah, mais, voilà. Mais c'est quoi cette ocytocine? Mais on y vient. L'ocytocine, c'est l'hormone sécrétée par nos neurones lors de toute relation affectueuse. L'ocytocine, elle favorise la gestion des contractions lors de l'accouchement. Elle permet le lien d'attachement entre une maman, son bébé, deux amoureux, ou toute personne qui échange le toucher réconfortant d'un bon câlin. C'est l'hormone qui participe au plaisir ressenti au cours d'une relation sociale. Elle va aussi permettre de réguler plus tranquillement nos émotions désagréables. Et lorsque je réfléchissais au titre que j'allais donner à cette chronique, et que j'ai vu mon fils courir vers son papa pour changer sa journée en un seul geste, ça m'a sauté au cœur. C'est en notre pouvoir d'inviter l'ocytocine dans notre vie, de créer du lien joyeusement, sans effort. Dorénavant, je vais vous proposer, lors de nos sessions rayonnantes d'ondes positives, des trucs pour se rendre la vie plus simple, plus douce, plus joyeuse. Je vous raconterai des histoires, je vous donnerai deux, trois explications et je vous proposerai une mission ocytocine à relever pour faire les choses différemment d'une fois à l'autre. Pour améliorer vos relations avec les autres et aussi avec vous-même. Un petit déclic à tester pour produire de grands impacts. Et voici donc la mission ocytocine inaugurale, mesdames et messieurs, à relever, à adopter, si elle vous plaît bien entendu. Je vous invite à demander ou à offrir un câlin, à le savourer pendant au moins 20 secondes et à sentir l'effet que ça vous fait. Et alors, petite info supplémentaire non négligeable, la beauté de cette mission, c'est que vous pouvez aussi la réaliser en solo. Lorsque vous posez une main sur votre cœur, que vous en serrez, je le fais en même temps, que vous en serrez vos épaules, ou que vous pratiquez n'importe quel toucher réconfortant sur vous-même, votre cerveau, il ne sait pas que ça vient de vous. Et il produit l'ocytocine, comme si le câlin venait de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si vous voulez relever la mission ocytocine du jour sans impliquer personne d'autre, c'est tout à fait possible. Nous avons de l'ocytocine plein les mains et ça tombe bien car tout le monde mérite de se faire câliner. Zoupi zoup. Merci Nathalie, merci. Lors de chaque émission, nous aurons l'occasion d'aborder, enfin, pratiquement chaque, on verra d'ailleurs un peu comment les choses se mettent, un sujet qui, on va dire qu'on va appeler thème, un peu plus thématique, avec plusieurs personnes qui interviendront à ce sujet. Et aujourd'hui, bien effectivement, ce 7 janvier, ce sont
sont les récits dominants dont Virginie nous parlait tout à l'heure. Et plusieurs d'entre nous interviendront dans la suite pour pouvoir rajouter un élément éclairé, donner un exemple, pour pouvoir rassembler vos informations, rassembler nos neurones, pour pouvoir évoquer tout ça. Et justement, donc Virginie et les récits dominants, c'est à toi. On aime tous écouter des histoires. On aime tous en raconter aussi. En fait, les histoires sont dans notre ADN, à nous les humains. Nous transportons des histoires depuis notre naissance et certaines nous sont même transmises de génération en génération. Notre vie elle-même est une histoire. Elle commence avec notre vie, elle se poursuit avec toutes les péripéties qu'on va rencontrer en chemin et elle se termine à notre mort. Il y a une écrivaine franco-canadienne qui s'appelle Nancy Hudson qui explique que c'est en se racontant des histoires de plus en plus complexes que l'humanité a développé une capacité de coopération qui lui a permis de se développer comme aucune autre espèce. Nous pensons donc en récits beaucoup plus qu'en chiffres, qu'en faits ou qu'en équations. Et pourtant, on évolue dans une société où tout ce qui compte est ce qui se compte. Compte comme comptabilité. C'est pas de moi, c'est bien dit, mais malheureusement, c'est pas de moi. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les récits façonnent notre... Et les récits nous déterminent aussi, nous, en partie. Si, par exemple, des personnes disent de moi, racontent de moi que je suis quelqu'un de maladroit ou que je conduis mal, eh bien, je vais finir par intégrer ce récit et à mal conduire ou à faire preuve de maladresse. De manière générale, en fait, on est tous confrontés à des récits dominants. Ces histoires qu'on nous raconte à longueur de journée, dans les publicités, dans les médias, dans les discours politiques, etc. C'est ces récits qui sont, par exemple, parmi les plus prégnants, le récit du capitalisme, le récit de la croissance infinie, le récit de la consommation de biens matériels pour nous rendre heureux. Tout ça sont ce qu'on appelle les récits dominants. Et en fait, ils sont tellement présents qu'ils nous amènent tous à voir le monde d'une certaine manière et à agir du coup en conséquence. En fait, ces croyances sont devenues des repères, des valeurs qui nous permettent de faire communauté dans une vision partagée du monde. Pour être un peu concrète, je vais vous prendre un exemple. Par exemple, on parle beaucoup pour le moment de transition énergétique, de réchauffement climatique. Est-ce que vous avez déjà observé les différents récits qui sont autour de cet enjeu-là? Il y a par exemple le récit techniciste qui dit que la technologie va nous sauver, la conquête spatiale, la science, etc. Il y a une réponse à tout de toute façon. À côté de ça, il y a le récit scientifique qui est un peu plus anxiogène. On nous balance des chiffres, des prévisions, des modèles, etc. Et puis un autre récit qui est le récit de la sobriété, qui nous appelle à être mieux en ayant moins. Voilà tous ces récits qui cohabitent. Et en fonction de notre sensibilité, de notre contexte, on va être plus ou moins réceptif à l'un ou l'autre de ces récits. Mais en même temps, à partir du moment où on en prend conscience, on peut peut-être prendre un peu de recul par rapport à tous ces discours-là. On peut peut-être les questionner. On peut peut-être se dire, tiens, est-ce que ce récit me berce d'illusions ou pas ? Est-ce que ce récit correspond à ma vision profonde du monde ou pas? Est-ce qu'il est encore en adéquation avec tous les défis humains et environnementaux, par exemple, qui nous font face aujourd'hui? Et petit à petit, on peut déconstruire ces grands récits dominants et laisser la place pour en construire de nouveaux. Un petit exemple concret, c'est les fêtes de fin d'année qui viennent de passer. Par exemple, à Noël, le récit dominant nous dit qu'on doit acheter plein de cadeaux, plein d'objets pour rendre nos proches heureux. Hein, on est un peu tous confrontés à ça. Ouais. Mmh. Eh bien, dans ma famille, figurez-vous, on joue à la cacahuète. C'est-à-dire qu'on pêche tous le nom d'un membre de la famille qui est censé acheter un cadeau à la personne pêchée. Alors, c'est drôle parce qu'il y a la surprise du cadeau, mais aussi la surprise de la personne qui a tiré la cacahuète, etc. Tout ça pour vous dire qu'en fait, ensemble, on a créé un récit contradictoire par rapport au récit dominant de Noël. On a créé un récit contradictoire qui nous a fait changer nos comportements, mais de manière positive et enthousiaste. C'est pas moins chouette de faire la cacahuète que recevoir 10 cadeaux par personne. Et donc, ce nouveau récit qu'on a construit ensemble, qui est plus positif, il nous a fallu
Il n'est pas venu tout seul, on a dû discuter, on a dû confronter nos récits contradictoires, etc. Et ce qui est très très beau, hein, c'est que dans la mise en récit autour du monde, c'est justement la coexistence de tous ces récits différents qui vont à un moment donné nous permettre de trouver un récit commun qui sera la vérité collective. Donc il n'y a pas un bon récit, il ne s'agit pas d'imposer son récit, il s'agit de faire cohabiter tous nos récits et d'en construire de nouveaux. Et c'est justement ce qu'on va faire ici dans cette émission, et je m'en réjouis, je pense qu'on s'en réjouit tous vraiment très fort, c'est qu'on va se mettre au service de ces nouveaux récits inspirants, positifs et pleins d'espoir. Bravo. Ouais. Merci Virginie. Alors, sur cette base, oui, Steph. Oui, merci Virginie. Franchement, c'est super intéressant l'éclairage que tu donnes. Et moi, ça m'a fait penser à une personne comme Rob Hopkins, qui est initiateur avec Sophie Banks du mouvement de la transition écologique et sociale, et qui, dans son dernier livre, qui s'appelle « Et si nous libérions notre imagination pour créer le futur que nous désirons », il influence en fait de nombreuses transitionneuses et transitionneurs. Je n'avais pas encore entendu ce nom. Transitionneuses et camionneuses, transitionneuses. Les transitionneuses sont sympas. Ça devient compliqué, ça devient vraiment compliqué. Mais donc, il incite vraiment à retrouver sa capacité d'émerveillement pour retrouver accès à l'imaginaire et à la créativité. Romain, il y avait un truc que tu voulais rajouter par rapport à ça, et dans un domaine un peu plus précis, le journalisme. C'est ça, tout à fait. Un truc à rajouter, même un peu plus long, mais donc je vais parler des récits dominants dans les médias et dans l'actualité. Donc ça suit bien ce que Virginie nous a dit. Et justement, en préparant cette première chronique, j'ai été étonné de voir que, contrairement aux idées reçues, les gens aiment être informés et s'intéressent à l'actualité. En Europe, 72% des gens déclarent suivre les nouvelles régulièrement. Malgré tout, 60% trouvent l'information trop négative et seulement 42% font confiance aux médias traditionnels. En gros, les gens ont envie d'être informés, mais ils ne veulent pas avoir le moral dans les chaussettes. Vous-même, pensez aux dernières nouvelles que vous avez lues, écoutées ou regardées. Le changement climatique, la crise migratoire, la hausse des faillites et j'en passe. Chaque jour, nous sommes bombardés d'informations difficiles ou même anxiogènes. Mais combien de fois entendons-nous parler des projets qui marchent, des initiatives positives ou simplement des bonnes idées? Justement, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Je pense qu'on en a tous besoin. Et on va suivre aussi une tendance. Aux États-Unis, il y a le journalisme de solution. On ne l'entend pas encore beaucoup chez nous, mais ça existe déjà là-bas. En fait, le journalisme de solution, ça ne veut pas dire de faire les bisounours et de prétendre que tout va bien. Il s'agit en fait de parler des problèmes et des solutions. D'identifier et de diffuser un maximum les réponses et les actions qui se passent tout autour de nous. Par exemple, au lieu de seulement parler de crise migratoire, il est aussi possible de parler de l'augmentation considérable de la solidarité et de l'accueil citoyen dans notre pays. Heureusement, quelques médias s'y mettent. Vous pouvez notamment aller voir en ligne positive.news, Kaizen, Imagine demain le monde, So Good. On peut citer par exemple l'émission sur la RTBF Alors on change. Il y a aussi des médias locaux comme Ma Télé à Dinan qui s'y mettent. De notre côté, on va essayer de se mettre en action aussi. Et à chaque épisode, nous vous proposerons un tour d'Europe des solutions autour d'un enjeu social ou écologique. Rendez-vous donc dans le prochain numéro pour parler du sujet délicat du sans-abrisme, mais sans fatalisme. Et je serais très curieux de savoir si vous aussi, autour de la table ou derrière la radio, vous connaissez d'autres médias. Donc n'hésitez pas à nous le dire. Merci Romain, on peut aussi applaudir Romain, on peut aussi applaudir, c'est sa première, hein. C'est sa première. Merci. Alors il y a deux éléments, moi j'aime bien au fond quand on parle de chiffres aujourd'hui, il y a encore donc 72% de la population qui regarde, écoute, lise les informations, et pourtant ces informations sont terriblement anxiogènes, comme on le disait tout à l'heure, 95%. Moi je suis quand même toujours surpris.
Pourquoi est-ce que autant de gens continuent à écouter les informations qui leur font du mal? Je suis surpris. Alors, j'ai fait un TEDx à ce sujet sur les informations constructives où on en parle, mais ça me sidère quand même. Je sais pas votre avis là-dessus, mais oui, Steph. Mais il y a aussi, oui, c'est ça. Je comprends que tu sois sidéré. En même temps, il y a aussi une proportion de plus en plus importante mondialement de personnes qui décident sciemment de ne plus regarder les news. Ça s'appelle le ROMO, c'est-à-dire ce sentiment, enfin ce soulagement qu'on ressent par rapport au fait de ne pas être informé, pour vraiment se déconnecter en fait des news anxiogènes. Oui, Nat, tu voulais dire quelque chose? Sans vouloir dire de Romo, j'en fais partie. Pas de Romo. Ah oui, t'as lancé le concours de jeux de mots débiles. Écoute, moi, il y a une chose. Moi, mais c'est ma vision aujourd'hui. C'est que je pense que l'information et le traitement de l'information est essentiel dans une démocratie. Quand on n'en parle pas, quand on n'écoute plus, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est coupé de tout et qu'on va se diriger vers des informations qui nous conviennent et qui effectivement sont parfois extrêmement restrictives. Donc c'est un danger. Donc moi je pense qu'il y a un vrai travail en amont à faire au niveau journalistique, au niveau de notre cerveau, au niveau journalistique et au niveau des médias. Mais dans les formations, moi j'ai fait une formation de journaliste, et dans les critères de sélection de l'info, il y a effectivement ce critère de la proximité, le côté émotionnel, le côté... Donc c'est ça aussi qu'il faut voir à la base, hein, dans la formation même du secteur du journalisme. Oui, oui, Romain. Mais il y a même une étude qui va à l'encontre de ça et qui montre que les journalistes pensent que les nouvelles négatives vont plus retenir l'attention des gens, mais il y a des études qui montrent que les gens vont plus facilement revenir vers un média ou plus s'impliquer dans l'actualité si on leur donne aussi des pistes de solutions. Donc c'est vraiment vers là qu'on doit aller, je pense. Tu voulais dire... Non, je voulais juste souligner aussi le travail ici en Belgique d'une association comme Newsix, qui depuis 5 ans justement fait de la sensibilisation au journalisme constructif auprès des journalistes, auprès des différentes rédactions. Alors c'est lent, c'est un travail de sensibilisation qui est lent, mais ça commence à bouger et puis y a de plus en plus de journalistes aussi qui veulent faire leur métier autrement, je dirais, et qui l'ont revendiqué assez récemment en signant une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence climatique. Exact, exact. Et pas simplement en Belgique. Hein. En France aussi. Oui, oui. Exact. Évidemment, je vais revenir à mes anciennes amours. N-Group, donc Nostalgie Énergie Chérie et Nostalgie Plus, c'est quelque chose qu'on a mis en place en tant que média, touché tous les jours par 1 million de personnes, depuis 6 ans maintenant. Il y a un vrai travail de fond qui est effectué tous les jours. Alors, c'est pas parfait. Il y a des choses qui ne sont pas encore OK. Mais si les journalistes, les rédactions, les directions prennent effectivement conscience de l'impact que les médias, nous avons sur l'ensemble de la manière dont les auditeurs, les auditrices, les spectateurs, spectatrices pensent, ressentent, tu le disais tout à l'heure, hein, il y a une incroyable force que les médias dégagent et une perception du monde à travers ces médias. C'est ce que tu disais, Virginie. Oui, oui, et changer ses mots, c'est changer son monde, en fait. Oui, oui, exact. Exact. Super. Isa, tu voulais dire quelque chose ? Mais non, mais je suis tout à fait dans la lignée de Romain et de ce qu'on est en train de dire, d'un journalisme de solutions constructif, de partager des pistes et aussi d'inclure l'auditeur en fait dans son récit. C'est ce que il y a de Lemon Spoon aussi à Table et New Smile Media. En tout cas, moi personnellement, j'essaye de donner une petite mission en fait à la fin de chaque intervention avec un invité pour que l'auditeur se sente concerné. Et je pense qu'il y a une prise de conscience de se dire tiens, quel type d'info je consomme et quelle est ma responsabilité là-dedans, parce qu'on peut cracher sur les médias entre guillemets, mais ils sont pas les seuls, on en fait partie, on alimente ce système, etc. Donc moi j'ai juste envie d'inviter les gens à se dire est-ce que ce que je regarde, est-ce que je consomme me nourrit en fait, et qu'est-ce que je fais avec ça après. Très bien, Gandhi, hein. Gandhi, sois le changement que tu veux. Exactement. Voir dans le monde, donc tout commence toujours par soi. Super. Exactement.
Merci beaucoup. Plus rien à rajouter à ce sujet par rapport à... tu voulais encore dire quelque chose, Virginie? Je ne sais pas si on a encore un peu le temps, j'ai découvert il n'y a pas longtemps en France un média qui s'appelle Territoire Audacieux. Et c'est un média qui a pour vocation de mettre en évidence toutes les initiatives positives portées notamment par les collectivités publiques. Donc voilà, ce genre de média existe en France. À Caen, en Belgique. Balancez vos ondes positives. Nous en sommes maintenant à Steph. Steph qui va enchaîner. Et tu enchaînes avec quoi, Steph ? Mais oui, mais c'est vrai que cette discussion sur la façon dont on perçoit le monde par le biais de ce qu'on entend à la radio, de ce qu'on voit à la télé, moi, ça me donne envie de creuser avec vous la notion d'éco-anxiété. Parce qu'à force d'être en contact quotidien avec de mauvaises nouvelles venant de partout, en Belgique et dans le monde entier, ben, y a de plus en plus de personnes qui en souffrent. Alors c'est quoi encore ce bazar? Ce nouveau mot qu'on entend de plus en plus, sans trop savoir ce que ça veut dire peut-être. Ce n'est pas une lubie, c'est un état qui existe bel et bien. Il s'agit du fait de souffrir mentalement de l'état du monde. C'est-à-dire qu'à force de ressentir toutes les choses qui ne fonctionnent pas bien autour de nous, je ne dois pas vous faire un dessin, Romain, tu l'as évoqué aussi, mais on se met à développer un sentiment général d'angoisse par rapport au futur. On a peur de se projeter dans le futur. Et ce sentiment est mêlé d'une nostalgie douloureuse par rapport au passé ou à un certain confort de vie qu'on va devoir transformer. Alors on peut tous sentir ce genre d'émotion inconfortable à un moment ou à un autre, mais chez certaines personnes, c'est vraiment plus fort et plus fréquent que chez d'autres. En Belgique, une personne sur 10 se dit fortement impactée par l'urgence climatique au niveau psychologique. C'est le résultat d'une importante étude menée par des scientifiques de l'Université catholique de Louvain. Alors, ils expliquent que pour ces personnes, mais la souffrance est telle, elle est tellement grande qu'elles ont vraiment le moral dans les chaussettes, qu'elles n'ont plus d'envie, qu'elles pleurent souvent, qu'elles n'arrivent pas à dormir suffisamment. Et donc, elles arrivent plus difficilement à s'adapter ou à mettre en place des changements. Alors que justement, le monde dans lequel on vit nous demande aujourd'hui d'être très flexibles, de nous adapter. On en a tous fait l'expérience lors de la crise Covid, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on ressent de l'éco-anxiété ? En tant que journaliste, moi, je m'intéresse depuis longtemps, donc, comme je vous disais, au mouvement de la transition écologique et sociale, et j'ai rencontré beaucoup de Belges qui ont décidé d'agir au quotidien pour un monde meilleur et plus durable. Et ce que j'ai pu constater à leur contact, et que je raconte dans la série L'Instant Papillon, c'est que le fait de ralentir un peu, de s'octroyer du temps pour des activités ou les personnes qui nous font du bien, passer plus de temps dehors, dans la nature, le fait d'apprendre à savoir ce qui nous procure du plaisir, en fait, et y consacrer du temps. En fait, ce sont des petites choses assez banales, finalement, mais elles font beaucoup de bien pour soulager le stress. Et puis aussi, si l'énergie le permet, ce qui peut faire du bien, c'est de passer à l'action. Parce que l'action pour un projet solidaire ou mettre en place des comportements plus éco-responsables, ça stimule le sentiment, ça diminue le sentiment d'impuissance et ça renforce l'espoir. Mais je dirais évidemment que si vous avez l'impression que vous êtes moralement dans une situation qui devient problématique, la première chose à faire, c'est d'oser en parler autour de vous. En parler avec vos proches, avec votre médecin de famille, pour ne pas rester seul avec ce genre de sentiment-là. Il y a déjà d'ailleurs de plus en plus de groupes de soutien qui organisent des ateliers, des balades pour se rassembler, se connecter avec d'autres personnes qui partagent les mêmes ressentis par rapport aux difficultés du monde actuel. Il y a le site du réseau Transition qui regroupe différentes initiatives, réseautransition.be. Maintenant qu'on a calmé un peu notre éco-anxiété, ou qu'effectivement ça va nous aider à calmer notre éco-anxiété. Fais gaffe, on va y retourner. Je sais bien, mais entre-temps, on va se balader sur les chemins de Compostelle avec Isabelle. Oui, tout à fait. On parlait de l'éco-anxiété. Moi, j'ai envie de continuer dans ce mood, mais un peu différent. J'ai envie de m'adresser à toi qui nous écoutes et qui est peut-être être un peu perdu dans ta vie. Alors aujourd'hui, quand t'es un peu paumé, que ce soit au niveau professionnel, personnel, et que t'as du mal à trouver un sens à ton existence, t'en parles à un ami, tu consultes un psy, un coach de vie, tu vas voir ton médecin pour t'assurer que t'es pas en bore-out ou même en burn-out, tu vas voir un magnétiseur pour qu'il remette tes bonnes ondes en place,
Tu vois avec ta famille comment eux, ils en sont sortis dans cette situation-là. Alors oui, tout ça, ça peut t'aider, c'est sûr. C'est sûr. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te proposer autre chose. Une variante à toutes ces options. J'ai envie de te proposer un voyage, une aventure. Un chemin un peu différent des autres. Compostelle, qui connaît ici ? Ok, top. Et toi qui nous écoutes, je suis sûre que t'en as déjà entendu parler. Que ce soit par une vieille tante, un ami proche ou même un collègue. Bref, pour ceux qui connaissent pas, je vous explique. C'est assez simple. Vous voyez le sac à dos là qui traîne ? Ça peut être dans votre grenier, dans votre cave ou même sous votre lit. Celui que tu prenais peut-être aussi pour tes camps scouts. Dedans, uniquement le vital nécessaire, le nécessaire vital, tu mettras. Tes belles chaussures, t'abandonnes. Pour des bonnes bottines, tu opteras. Ta voiture, t'abandonnes aussi, car à pied, tu iras. Des bobos, alors oui, certes, tu en auras. Ta lessive, le soir, tu feras. Dans les auberges, tu dormiras. Où ronflement, tu subiras et sifflement, tu tenteras. Paysage magique, tu admireras. Pique-nique nature, tu apprécieras. Vin et plats locaux, tu goûteras. Espagnol, anglais ou français, tu parleras. De nouveaux liens d'amitié, tu tisseras. Nature, sport et rencontres sont les mots de là-bas. Tu trouves que ça a l'air étrange ? Super. Prends ton sac à dos et va. Une expérience hors du commun, tu vivras. Parce que parfois, marcher avec un t-shirt, un short et un maigre bagage, c'est beaucoup plus facile pour revenir à l'essentiel, au basique. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ? Où est-ce que je vais dormir ce soir ? Qui est-ce que je vais croiser sur mon chemin ? Et tu vas voir, c'est assez étrange. Tu vas discuter avec les autres marcheurs. Tu les connais pas. Ils te connaissent pas. Et pourtant, au fil de la discussion, des réponses à tes propres questions émaneront de ces personnes. C'est un peu ça la magie du chemin. Ce chemin où la bienveillance est constante entre chacun. Cette parenthèse hors du temps. Ce moment que tu as décidé de t'offrir. Cette déconnexion et en même temps cette reconnexion à toi-même. C'est un retour aux sources, une immersion en pleine nature, celle dans laquelle tu peux te décharger et en même temps te recharger. Cet apaisement de l'esprit que la marche procure. Bref, moi je suis convaincue, vous l'aurez compris. Mais je continue. C'est une authenticité non-stop, car sur le chemin, tu es qui tu es, et non ce que tu fais. Se retrouver là, sans pression sociale ni compétition, parce qu'en vrai, ta journée, elle dépend que de toi. Tu choisis les kilomètres que tu marches, les endroits où tu dors. T'es pas obligé de tout prévoir à l'avance. Tu apprendras aussi à observer l'autre, voir son mode de fonctionnement, souvent très différent du tien. Mais là, t'es tout seul avec ton sac à dos. Alors crois-moi, tu t'attarderas plus sur vos points communs que sur vos différences. Tu verras, chacun fait son sac pour différentes raisons. D'ailleurs, toi-même, tu ne sais pas toujours très bien pourquoi tu pars. Mais quand tu reviens, tu sais pourquoi tu y es allé. Ça, c'était comme avant. Mais est-ce que avant, c'est la même chose que maintenant ? Ils se font un petit peu. C'est à moi, Marc ? Oui, vas-y. Tu attendais ton moment, c'est maintenant. C'est maintenant. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ça vous dit quelque chose, ça ? Oui. Charles. Charles. J'allais dire Big Flo et Oli. Parce que référence, ils font une référence à Aznavour, c'est pour ça. Eh bien, mon cher, tu as tout à fait raison. Charles Aznavour chantait ça en 1966. Et maintenant, c'est Big Flo et Oli, ce duo français de jeunes rappeurs à l'aube de la trentaine. Avec beaucoup de talent, les deux, enfin les trois artistes, Charles Aznavour compris, nous plongent dans la nostalgie de la vie 20 ans plus tôt. Et bien qu'ils ne fassent pas référence à la même époque, les deux portent ce même message, c'était mieux avant. Touché, emporté par les paroles, je me surprends moi-même à finir par penser la même chose. Minute papillon, qu'est-ce que c'est que ce pessimisme ? On est quand même dans balancer vos ondes positives. Je me questionne. C'est vrai que j'entends souvent mes parents, mes grands-parents, mes tantes, mes oncles dire « c'était mieux avant ». Où est la vérité ? 2022, crise du climat, inflation, guerre, crise énergétique, crise de sens, crise de ceci, crise de cela. Un tableau bien sombre. Oui mais attends, en même temps, avant,
c'était aussi la guerre. Et bien pire même, c'était la guerre mondiale. Avant aussi, il y avait l'inflation, les épidémies, les tueries, les conflits, on l'oublie ou quoi ? Parlons maintenant d'amour. On connaît tous quelqu'un de divorcé ou dont les parents sont divorcés, je suis sûre. Bah oui, avant, les gens se mariaient souvent pour de mauvaises raisons. Pression sociale, affaires familiales, etc. Franchement, j'ai du mal à croire que c'était mieux avant. Enfin, ça fait pas l'unanimité ici. Ah, c'est pour ça, on va débattre après. Aujourd'hui, enfin, grâce au droit d'expression, à Internet, aux réseaux sociaux, nous avons tous accès à la culture, à l'information, et ce, de manière illimitée. La génération au-dessus de moi ne cesse de me répéter « Tu as de la chance d'avoir eu accès à toute cette connaissance et cette ouverture d'esprit tôt dans la vie, Emna. J'aurais aimé que ce soit le cas pour moi aussi. » Oui, je suis d'accord. On a quand même de la chance par rapport à ça. Alors bon, c'est pas comme si de toute façon on avait le choix de remonter le temps. Mais quand même, j'ai envie de débattre sur la question « Est-ce que c'était mieux avant ?» Si je peux commencer, moi, il y a vraiment, je pense que pour chaque personne, c'est toujours mieux avant. Et là, je vais rentrer dans un petit délire de réflexion personnelle avec une hypothèse. Moi, par exemple, effectivement, bon, je suis né en 86, donc j'ai vécu cette période Club Dorothée, Dragon Ball, tout ce dont on fait référence, font référence Big Floyd. D'ailleurs, j'étais très étonné, je me dis, mais Big Floyd, on a quand même genre 8 ans de différence, et pourtant, on est bercé par les mêmes trucs, Yu-Gi-Oh! Et tout ça, et voilà. Après, bon, j'ai continué à regarder les animés jusqu'à hier soir. Jojo Bizarre Aventure, je vous conseille. Et donc, du coup, ce qui est assez particulier, c'est que j'ai l'impression que c'est toujours mieux avant parce qu'en fait, on a ce sort de point de référence. Et avec le temps, on dit toujours qu'on retient que le positif. On a une dispute avec quelqu'un, finalement, après 10 ans, mais pourquoi on s'est disputé ? On retient que les bons moments. Et donc, forcément, quand on repense à des trucs de notre passé, ce n'est qu'avec un esprit positif, ce n'est qu'avec des ondes positives. Et donc, à ce moment-là, naturellement, ça nous provoque en nous une sorte de montée de belle chaudeur. C'est pour moi, c'est ma théorie, c'est pour ça que Nostalgie restait très longtemps en première en termes de radio. C'est toujours le cas. Quel travail, Marc ! Incroyable. 4 ans et demi. C'est un truc de fou. Mais justement, parce que j'ai l'impression que réécouter des choses du passé nous provoque tellement un sentiment de bonheur qu'en fait tu peux faire le programme le plus éclaté sur la radio de Nostalgie, c'est pas grave, la musique fait le travail, tu vois. Tu peux mettre un animateur qui est totalement nul, la musique fait le travail et permet vraiment de se sentir bien et de se dire ah bah c'était mieux avant. Mais comme je pense que ma mère disait c'était mieux avant, ma grand-mère m'a dit c'était mieux avant et mes enfants sans doute qui diront c'était mieux avant. Merci Vince. Oui, mais alors j'ai ma petite théorie aussi. Je pense qu'en fait, c'est comme c'est du connu, on se souvient, complètement d'accord avec toi, mais je pense que c'est très compliqué, en fait, au jour d'aujourd'hui, par rapport au récit qu'on nous donne tous les jours, où c'est compliqué d'imaginer l'avenir, en fait. Qu'en fait, c'est vraiment compliqué d'imaginer l'avenir. Ça demande une démarche personnelle par rapport à ce qu'on aime, dans le présent, par rapport à ce qui a été connu, pour créer quelque chose qui n'existe pas encore. Et en fait, la démarche de créer le futur, ben en fait, elle est assez complexe. Et donc, on va plutôt facilement se rapprocher de ce qui était connu avant et de ne même pas regarder le présent, puisque de toute façon, c'est déjà le bordel. Nat, Virginie. Mais justement, moi, j'avais envie de rebondir sur le présent, qui est un cadeau. Puisqu'on parle du passé, du futur, mais... Moi, j'ai résolument choisi que mon présent allait être le meilleur moment. Et je pense qu'en fait, la réalité, elle est ce qu'on en fait. Et que finalement, si je mets l'intention, mais finalement, je peux choisir ce que j'en fais. Et personnellement, en tout cas, je ne sais pas vous les filles, mais moi, je suis très, très, très contente d'être née ici et maintenant, par exemple, en tant que femme. Je vois plusieurs visages qui opinent du chef. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas bien d'être femme en Corée du Nord. ou femme il y a 50 ans en Belgique. Question, Virginie. Mais en fait, moi, ça rejoint ce que je voulais dire. Pour moi, il y a des trucs qui étaient mieux avant et qui sont moins bien maintenant, et vice-versa. En fait, c'est pas blanc ou noir, quoi. Par exemple, avant, le monde était moins complexe qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans un monde hyper complexe, hyper compliqué, avant, c'était plus simple. C'est pas toujours une bonne chose, mais... Donc voilà, moi, je serais plutôt plus nuancée. Balancez vos ondes positives. Positives. Sujet suivant. Nous partons où ça ? Nous partons... Oh, mais nous partons chez Banane.
Ah oui, on part au Costa Rica du coup. Avec plaisir. Alors, comment ça va toi, Marc ? Moi, je vais très très bien. Alors, écoute, attends, regarde. Incroyable, bien accompagné. Hein. On est dans un studio radio. Ouais. On est entouré magnifiquement. C'est une première, premier podcast, première émission. C'est le plaisir et la banane. Ah, exactement. Ouais. Et voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, bah forcément, je ne change pas des bonnes habitudes, c'est d'arriver en retard à mon émission. C'est bien que ce, quoi que ce soit pas la mienne pour le coup. Alors, c'est la nôtre. Exactement, c'est la nôtre. 100% de goût, 0% de CO2. Est-ce que vous avez vu ça par hasard en vous baladant chez Carrefour? On arrive à, devant les rayons fruits et légumes et on voit les bananes Chiquita très bien exposées avec un gros carton, 100% de goût, 0% de CO2. Je vois ce truc, je le photographie, je me dis, mais comment c'est possible d'avoir ça ici devant? Alors je demande un petit peu aux gens autour, tiens, est-ce que cette publicité, ça vous dit quoi? Ah bah, que c'est bon et que c'est bon pour le climat. Voilà, est-ce que vous y croyez? Bah oui, sans doute, parce qu'on me le met. Alors je me dis, bon, il va falloir que je creuse un petit peu le truc et j'ai commencé un petit peu à en parler à tout le monde. Alors du coup, l'entreprise promet aux consommateurs des bananes véritablement neutres en carbone. C'est flou ou possible quand on dit ça, bien entendu. Alors du coup, moi j'ai décidé de creuser en profondeur cette histoire de neutralité en carbone, parce que pour moi, des bananes qui viennent du Costa Rica, faut m'expliquer comment elles font pour être neutres en carbone, bien entendu. Alors déjà, commençons par dire qu'on parle ici de neutralité carbone, donc en CO2. C'est l'un des principaux procédés du greenwashing, faut le préciser, c'est de ne parler par exemple que d'une seule chose, parce que oui, le CO2, c'est un des gaz à effet de serre, mais Chiquita ne parle pas du reste, en fait. Il ne parle pas du CH4, etc., etc. Et le GIEC, pourtant, eux, précise bien que pour atteindre les objectifs ambitieux qui sont nécessaires à une limitation du réchauffement climatique à plus 1,5 degré, la réduction de tous les autres gaz hors CO2, bien sûr, est tout aussi primordiale, puisque le méthane reste moins longtemps, mais qu'est-ce qu'il est relou, lui, il retient beaucoup plus la chaleur de la Terre comparé au CO2. Et sinon, neutre en carbone, chez Chiquita, ça veut dire quoi dans les faits? Alors, la production de bananes, à ce jour, pas du tout neutre en carbone, elle émet toujours du CO2, tout au long du processus de culture, de traitement, de transformation, de distribution des bananes, bien sûr. Et puis, il faut les emballages, il faut le travail marketing qui permet de coller toutes ces étiquettes qui fonctionnent, bien sûr, avec un petit peu de colle. Bref, la neutralité carbone pour eux, c'est déjà pour eux, en fait, la compensation. Donc, la compensation de quoi? Ils parlent de programme. Alors j'ai été voir un petit peu plus près, et d'après leur site, ils investissent parfois dans des réserves naturelles visant à protéger la biodiversité, tantôt dans le reboisement. Mais dans les faits, on n'a pas du tout accès aux données prouvant l'absorption de tout le carbone émis par la production et ni la soutenabilité des zones reboisées. Je vous jure, j'ai eu beau chercher, j'ai rien trouvé. Et croyez-moi, j'ai mis du temps. Alors, en allant voir un peu plus loin, je me suis rendu compte qu'ils parlaient également qu'ils avaient un petit programme très sympa qui s'appelle pour les fermiers. Donc quelque chose, c'est des lieux en fait qui préservent le travail des fermiers. Alors j'ai essayé de voir un petit peu qu'est-ce que c'est, de quoi il en retourne. C'est un label qu'ils ont inventé. Donc c'est génial. Hein. Ainsi que le label 30 by 30, en fait, qui vise de réduire de 30% les émissions de carbone à 2030. Pareil, c'est on fait ça, mais on n'explique pas quel est le processus, quel est le procédé et tout ça. Alors moi, je me suis référé un peu à ce que dit l'ADEME, et l'ADEME dit bien sûr que toute marque utilise le terme neutre en carbone. Alors ce qui est assez dingue, c'est que neutralité carbone, en fait, quand tu creuses vraiment, tu demandes à un scientifique, il va te dire que ça n'a aucun sens sur le plan planétaire. Aucun sens, pourquoi? Parce que la planète absorbe X quantité de carbone chaque année, et que même si, en fait, en gros, toi tu dis « Ah mais les gars, nous on compense, c'est-à-dire qu'on plante des arbres qui permettent de récupérer ce CO2 », eh ben c'est pas du tout ce qui se passe. Alors, quand on dit que c'est pas du tout ce qui se passe, c'est que, je vous donne un exemple, si vous émettez 100 tonnes de CO2, par exemple, dans l'année, et que vous avez planté pour 100 potentiels systèmes d'absorption, il va falloir attendre plus de 30 ans pour que ce système fonctionne. C'est-à-dire que forcément, il faut une bonne forêt primaire, et là, l'absorption, elle est géniale, et là, ça fonctionne bien. Mais entre-temps, on reste dans un monde où on déforeste beaucoup plus qu'on ne plante. Et donc, par conséquent, ça veut dire qu'on se dit « Ah, mais c'est cool, on a planté, on prend du crédit à plus tard », mais en fait, ce plus tard ne sera même plus en capacité d'absorber, puisque les événements climatiques seront tellement intenses que malheureusement, on va développer un projet, et souvent, malheureusement, c'est des monocultures. Vous savez, les monocultures, c'est un peu relou. Hein. On se dit « Ah, c'est bien, on a été dans un endroit, on a planté
plein d'arbres, les mêmes, la même race, et puis boum, t'as un petit virus d'arbre qui s'est pointé et il a tout niqué, excusez-moi pour le terme, mais c'est littéralement ce qui se passe. Et alors on arrive, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce projet-là, et au final ben, ça émet plus de CO2 que ça n'en absorbe. Alors l'autre côté de neutralité carbone, ce qui est un petit peu relou là-dedans et ce dont les scientifiques essayent de faire entendre et que les sociétés ne veulent pas entendre, c'est qu'à partir du moment où vous émettez 100 et que la Terre absorbe 100, dès que vous émettez 80, la Terre absorbe combien ? Elle absorbe 80. Dès que vous émettez 60, elle absorbe 60. Et en fait, c'est ça un petit peu l'arnaque, c'est pour l'instant, ils se disent, mais c'est bon, à partir du moment où la Terre absorbe pour son X quantité par an, si on réduit, bah elle va continuer à absorber, donc elle va rattraper à crédit ce qu'on est en train de faire. Okay. Ça ne marche pas comme ça. Okay. Ce qui veut dire que si demain, l'humanité émet beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre, eh ben la Terre, naturellement, en absorbera beaucoup moins. Donc la chose qui est à faire, simplement, quand on se dit, ouais, mais bon, les bananes Chiquita, qu'est-ce que vous faites ? Eh ben, c'est très simple, vous n'en achetez plus. Alors, on se dit, ah, mais la banane... C'est ça le côté positif. Non, tu vois, le côté positif, c'est qu'en fait, il est le suivant. La banane, depuis très tôt, on nous l'a mis dans toutes les papes pour enfants. C'est absolument présent partout. Et quand on se dit, ah, mais c'est super bon, on en a vraiment besoin, etc., c'est simplement se dire, bon, bah, les gars, les bananes Chiquita, vous êtes bien sympas, mais je vais passer à d'autres alternatives, les fameux fruits. Fruits de saison, c'est quand même quelque chose dont on entend énormément parler, et ça a un impact direct. Et à ce moment-là, peut-être que Chiquita va se dire, ok les gars, bon, grosse sueur, on a nos ventes qui sont en train de chuter, il faut arrêter de mentir. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils vont vraiment, véritablement se dire, ok les gars, on va vraiment faire un travail de fond, il y aura moins de bananes disponibles en magasin, mais au moment où on va acheter sa banane, on va se dire, eh bon, on la mérite vraiment, et on sait qu'elle sera vraiment positive pour les limites planétaires. Virginie, tu voulais dire quelque chose ? Parce que moi, j'ai une question par rapport à la banane. C'est quelle est la saison de la banane ? On n'a pas de saison ici. En Belgique, pas. Hein. Non, non. Et, non, mais globalement, logiquement... Tout le temps, l'hémisphère sud, tu peux... Ok, et donc en Belgique... On n'est pas censé manger des bananes. Non. On n'est pas censé manger des bananes. Non, alors. Ça ne fonctionne pas. En fait, on doit avoir des serres. Et ces serres-là, elles demandent tellement, tellement d'énergie. Par exemple, demain, je t'amène un bananier. Il y en a plein partout dans les jardins. Je t'amène, tu le mets dans ton jardin. Il ne va pas produire de bananes. Ok, d'accord. Virginie. Moi, c'est par rapport à ta question, qu'est-ce qui fait qu'on utilise tout le temps ce CO2. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est tellement complexe, les problématiques environnementales, que le CO2, c'est ce qui est peut-être le plus concret pour les gens, tu vois. CO2, oui, c'est ma voiture, c'est mon chauffage, c'est... Je pense que, voilà, parler de biodiversité, c'est déjà beaucoup moins évident, les gens font moins le lien. Parler de santé environnementale, c'est moins... Tu vois, je pense que le CO2 est une entrée facile pour aller chercher les gens, parce que c'est ce qui est le plus relié à nos actes du quotidien, et j'ai l'impression que c'est ça, en fait, non ? Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas que Chiquita qui le fait. Tout le monde le fait. Et à partir du moment où tout le monde le fait, ça devient une norme, ça devient en fait une nouvelle méthodologie de communication. Alors tu dis, bon, c'est bon, je peux y aller les yeux fermés puisque c'est présent absolument partout. Demain, on peut aller chez Uniqlo, ils t'écrivent, donc les marques de vêtements, ils t'écrivent en grand, regardez ce que nous faisons, nous recyclons nos vêtements, nous... Ils te mettent des grands posters véridiques, hein, avec des gens qui travaillent dans le coton, avec un grand sourire en mode, oh, regardez, c'est trop bien ce qu'on est en train de faire. Et oui, c'est le fait de te le répéter quand tu vas chez Uniqlo, puis te le répéter quand tu vas chez Primark, puis te le remettre encore quand tu vas chez Carrefour, et à un moment donné, tu rentres dans une forme de matrice. C'est dominant. C'est ça qu'on a commencé à l'émission, mais tu étais en retard, Vince. Quel dommage ! Oh là là ! Ça, c'est fait. Prochaine fois, je prendrai l'avion pour arriver plus tôt. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Non, vraiment pas. Super, très bien. Merci beaucoup, Vince. Édouard, c'est toi qui termines aujourd'hui. C'est moi qui termine. Et ce qui est magnifique, c'est que Édouard va terminer sur un sujet et sur un mot qui est un mot d'ouverture sur le monde. Bonjour. Exactement. Et comme tu viens de le dire, Marc, j'arrive à la fin de l'émission, mais pourquoi pas se dire au revoir pour se dire bonjour, ou plutôt se souhaiter une bonne journée. Bonjour à tous, donc. Et vous savez aussi que quand on se souhaite bonjour, ça suit souvent avec comment ça va. Alors du coup, aujourd'hui, vous êtes plutôt avec un « ça va super bien » enthousiaste, ou alors plutôt un « bien » sans plus, ou un « bien » pas du tout ça, ou bien un « ça va pas » authentique. Certains proposent même la solution à tous les mots « bien » ou « bien ». Ça ne laisse pas beaucoup de choix, mais au moins tout le monde est serein. Avec cette petite intervention sans prétention, j'avais envie de redonner de la conscience sur ce mot qu'on se dit absolument
tous les jours, à tout le monde, partout sur la planète, et dont je pense qu'on en a oublié un petit peu l'essence du sens. Bonjour à toi donc, toi qui es de l'autre côté du micro. Je te souhaite bonjour. Tu vois, un vrai vrai bonjour quoi. Un jour où le soleil brille, où les oiseaux chantent, où les gens se sourient entre eux, dans lesquels on se soumet des tranches de fou rire à en avoir des crampes au ventre. Un vrai bonjour, bon Dieu! Mais ça veut dire quoi, tu me diras, ce bonjour? Ben, est-ce que ce serait simplement pas l'intention de se souhaiter un bonjour? De se souhaiter une bonne journée? Tu sais, genre comme si on lève les yeux de notre trottoir malheureux, nos yeux se croisent sans qu'ils ne se toisent, puis avec amour, on se voit et on se dit, le sourire en prime, je te souhaite un bonjour. C'est ça ce fameux bonjour, on a juste oublié le début de la phrase quoi. Une belle journée qui sera l'accomplissement de ce qu'on ressent. Alors disons-nous tous d'autant plus bonjour avec l'engagement d'être content. Si on se fait un petit check-up là, comme ça, juste entre nous, où que tu sois, dans ta voiture, en ce moment, ou sur ton vélo de bobo, ou pourquoi pas au Costa Rica, comment tu vas? C'est quoi ta météo à l'intérieur de toi? Il fait beau, ou plutôt nuageux? Tu souris, ou t'es aigri? Peux-tu t'éclairer? Est-ce que ton jour a bien démarré? Ce matin, avant n'importe qui, nous sommes-nous regardés avec humilité face au miroir, au plus profond de nos yeux curieux pour nous dire « bonjour ». Et après s'être vu, a-t-on regardé ce qui nous entoure? A-t-on osé regarder notre compagne ou compagnon qui passe ses nuits à nos côtés? A-t-on osé se faire l'amour en se disant « bonjour » avec le sourire de chérir? Regardons-nous vraiment maintenant pour se souvenir de cet avenir avant de repartir. Et pourquoi est-ce que ce bonjour ne pourrait pas simplement être annoncé par le plus important des mots qui nous rassemblent tous à cet instant? L'amour. Ça rime pourtant bonjour et amour. En fait, pour simplifier cette chronique, je nous souhaite non pas un simple bonjour, mais plutôt l'amour du jour. Alors mieux vaut essayer de s'aimer et d'exaucer ce qui a tant été espéré depuis que l'humanité s'est saluée avec un premier bonjour. Je te souhaite ton bonjour, toi, de l'autre côté du monde au bout de cette onde. Bon moment, bel instant, ici et maintenant, en te reconnectant à ce cœur qui bat à l'intérieur de toi. Sourions à la vie, chers amis. Et maintenant, je nous propose d'oser nous souhaiter un bonjour avec beaucoup d'amour. Bonjour ! Édouard. C'est top. Ben voilà, c'était la première, c'était super. Bravo, bravo les filles, bravo les gars. Merci d'avoir été Marc. Là. Ouais, merci. On Marc. Se retrouve merci. Dans. Merci en tout merci cas, Marc. C'était vraiment super. On se retrouve dans 15 jours. Évidemment, en attendant, ceci est disponible partout, sur toutes les plateformes. Écoutez, réécoutez. Vous pouvez réécouter l'ensemble ou bien les parties. Partagez. Oui, partagez, absolument. Oui, Isa, tu voulais dire quelque chose? Non, à très bientôt. Partagez, envoyez ça à votre ami qui a besoin des ondes positives. Envoyez ça à tout le monde. Merci à vous tous et à vous toutes. On se retrouve bientôt, Virginie. On peut peut-être aussi applaudir Marc un coup, non? Ouais. Flattez-moi, mon bon Blaise, flattez-moi. Merci, à bientôt. Salut.